Bonsoir tout le monde. Donc je me présente, je suis Françoise Père. On est heureux de pouvoir vous accueillir ce soir pour une réunion d'information concernant la rénovation des voiries de la rue des Deltas, rue du Patinage et avenue des Tropiques. Et donc pour m'aider dans cette démarche ce soir, je suis accompagnée de mes collègues du collège Monsieur Alain Mougabeau, et je fais entre autres de l'eau, de l'urbanisme et bien d'autres compétences, et de Madame Esmeralda Vandenbosch, qui est notre échevine de la mobilité. On est accompagné aussi du service technique des travaux publics, entre autres de la voirie, avec Monsieur Ischmidt, qui est notre directeur des travaux, avec Monsieur Alain Solfa, chef de service du service voirie, et Arnaud Vanham, qui porte le projet de rénovation de ces voiries. Je remercie aussi le soutien, en tout cas, des équipes de la cellule communication et information, donc Céline, Paula et Nathalie, qui sont présentes et qui nous aident dans cette grande première, puisque c'est une première de faire ce type d'information en virtuel, puisque vous savez, comme chacun d'entre nous, que la crise sanitaire ne nous permet pas de nous réunir en présentiel et de vous présenter les plans de visu. Et donc, on a dû trouver d'autres alternatives pour pouvoir quand même vous communiquer ce travail de réflexion qui a été mené par les services voirie, mobilité et la cellule eau, pour aboutir à ce projet que nous allons vous présenter ce soir. Alors, ce projet que nous allons vous présenter ce soir répond bien entendu à des multiples plaintes qui ont été formulées par des riverains suite aux différents chantiers qui ont été menés dans les voiries où vous habitez. C'est vrai que le quartier a bien souffert de tous ces travaux et que maintenant, comme on arrive à la fin de ces chantiers, on va passer à une deuxième phase de rénovation de voirie, et que dans le cadre de rénovation de voirie, on a pris en compte la question de l'eau, la question de la verdurisation et aussi la question, en tout cas, de sécurité, qui est très importante dans ce quartier, puisqu'on a de nombreuses personnes qui circulent à pied et qui font du vélo. Donc, toutes ces attentes et toutes ces attentes des riverains ont été étudiées dans le cadre de ce projet. Il est bien clair que ce projet doit répondre aussi au règlement régional d'urbanisme, puisqu'on a des règles au niveau de la région que nous devons suivre pour pouvoir obtenir le permis d'urbanisme qui est délivré par la région. Donc, on doit respecter des règles, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, tant en matière d'urbanisme, en matière de mobilité et en matière de sécurité routière. Ça répond aussi à des positions politiques, autant au niveau de la région, puisque la politique de l'eau, la verdurisation des voiries est quelque chose qui est important et qui est vraiment aussi important au niveau des intentions du collège qui appuie en tout cas ces projets sur la question, en tout cas au niveau de l'espace public, toute cette verdurisation, la récupération des eaux de pluie. Mais ça, mes collègues vont pouvoir vous détailler un peu plus en avant toutes ces réflexions. Alors, ce soir, donc, c'est bien une réunion d'information. Donc, on vous présente le projet de rénovation qu'on va déposer à la région afin d'obtenir un permis d'urbanisme. Donc, il va y avoir une enquête publique et que, dans le cadre de l'enquête publique, à un moment donné, il y a une commission de concertation où les riverains peuvent apporter éventuellement leurs marques ou leurs questions. Et donc, ça va poursuivre son cours. Et donc, on vous tiendra au courant quand le permis d'urbanisme sera déposé et à quel moment aura lieu la commission de concertation. Donc, suite à cette réunion de ce soir, la présentation que nous vous faisons ce soir sera postée sur le site de la commune afin que vous puissiez encore consulter la présentation et les plans.
Je pense que j'ai été complète. Si j'ai oublié quelque chose, ce qui est possible, mes collègues viendront compléter l'information que je viens de vous donner. Donc, je passe la parole à Monsieur Alain Mougabeau, qui est le spécialiste de la question de l'eau. Merci Madame Père. Je n'irai pas jusqu'à dire que je suis le spécialiste de la question de l'eau. Il y a des techniciens qui sont présents ce soir qui pourront encore beaucoup plus, de manière beaucoup plus pointue que moi, vous renseigner sur la question de l'eau. Mais en tout cas, je voulais me joindre au remerciement de Madame Père. Voilà, remercier en tout cas les services techniques qui ont fait dû organiser ça avec un nouveau format. C'est pas la première fois qu'on organise des réunions en visioconférence, mais c'est un nouveau format avec un nouveau logiciel dont on espère dont ma collègue d'ailleurs excusez-moi, Vandenbrandt va vous expliquer par après la manière dont ça va se dérouler. Mais donc on espère en tout cas que ça va frustrer personne et qu'on pourra mieux enfin échanger en tout cas le mieux possible et répondre à vos questions éventuelles. Voilà. Et comme le disait Madame Pern, donc je suis on est tout à fait conscient, on aurait tous préféré de pouvoir faire ça évidemment en présentiel et pouvoir mieux vous expliquer. Nous aussi, probablement préféré pouvoir avoir plus de temps devant nous pour pouvoir discuter et co-construire davantage ce projet avec les habitants. Mais il se trouve qu'il y a eu des contraintes d'abord l'année passée qui par rapport à la situation sanitaire qui ont fait qu'on a dû aller s'organiser, réorganiser la manière de travailler des services communaux. Et on a aussi pris dans une contrainte de temps assez importante par rapport aux subsides en fait, qu'on a obtenus pour pouvoir procéder à la rénovation de ces voiries. Et donc, nous sommes un peu dans l'obligation de devoir déposer un permis assez rapidement pour pouvoir garder ces subsides. Mais comme le disait Madame Perre, de toute façon, il y a des espaces de discussion et d'échanges qui sont prévus par la loi dans le cours de l'instruction du permis d'urbanisme. Et donc, les habitants, évidemment, pourront faire toutes leurs remarques. Et de toute façon, les plans seront publiés beaucoup plus tôt, enfin très tôt, pour que les gens, évidemment, puissent en prendre connaissance et s'approprier le plus tôt possible le projet. Et donc, moi, je voulais aussi inscrire ce projet dans une forme de continuité, et en profiter pour remercier mon prédécesseur, Echevin Delhaut, qui n'est plus au collège, et évidemment, les services qui ont travaillé sur ces matières, l'inscrire dans la continuité parce que c'est la suite, il fait suite aux réflexions qui ont été menées dès 2015, si je ne me trompe pas, auxquelles ont pris part le comité de quartier Van Troppel, Van Beerwoud, d'autres acteurs de la question de l'eau. Et donc, c'est un peu la matérialisation, la concrétisation de cette démarche qui a démarré il y a déjà quelques années. Donc, je me réjouis que ce projet prenne vraiment en compte la gestion de l'eau, qu'elle soit au cœur de ce projet. Je ne vais pas aller beaucoup plus en détail par rapport à la manière dont elle a été intégrée parce que du coup, voilà, il n'y a plus aucun suspense pour la suite de la présentation. Mais voilà, en tout cas, avec ce projet, nous, on a l'impression que ça va permettre de manière innovante, à la fois renforcer le maillage bleu, limiter au maximum les inondations, et par ailleurs, verduriser, améliorer la végétation de manière importante dans ces voiries, mais non plurielles. Voilà. Là, je vais passer la parole à ma collègue Esmeralda van den Bosch. Merci beaucoup, Alain. Goedenavond iedereen, bonsoir à tous et à toutes. Je me rejoins également à mes collègues Père et Mugabo. C'est un plaisir de pouvoir vous présenter ce projet ce soir parce que c'est un projet qui s'inscrit dans les ambitions politiques au niveau de la végétalisation, au niveau de la gestion de l'eau, mais aussi aux ambitions par rapport à la mobilité. Donc, je me réjouis que ce projet
présente une amélioration pour la sécurité routière et on prévoit des infrastructures qui assurent le respect de la ligne 30 avec des coussins berlinois et des adaptations des carrefours, une amélioration de la cyclabilité parce qu'on se trouve sur un itinéraire cyclable régional de la rocade, et on se trouve dans un axe qui est selon le Good Move, le plan régional de mobilité, un axe de confort pour les piétons. Et donc dans le projet, il y a aussi une amélioration de la qualité de l'espace public pour les piétons. Comme mes collègues l'ont dit, c'est une première pour nous de travailler avec ce logiciel ce soir. Donc, vous pouvez, après, les services techniques vont présenter le projet et vous pouvez poser vos questions dans le chat. Monsieur Smith, qui est le directeur des services travaux, sera notre modérateur ce soir et il va essayer de regrouper les questions selon les questions de clarification et des questions peut-être plutôt du fond sur le projet. Donc, on va essayer de voir s'il y a des questions qui doivent être éclaircies pendant la présentation ou après la présentation. Aussi, pour votre information, la séance de ce soir est enregistrée et sera mise en ligne après. Pour que des autres riverains peuvent encore prendre connaissance de cette présentation. Mais il y a aussi la possibilité de vous connecter comme utilisateur anonyme si vous le souhaitez. Donc, merci de votre compréhension et de patience avec cette première ce soir. Je me réjouis et je me joins également aux remerciements aux services techniques qui sont là avec nous ce soir. Il y a aussi encore la possibilité de mettre des sous-titres. On a fait un petit peu de tests. Les sous-titres fonctionnent bien pour le français, donc pour la langue qui est parlée. Donc pour les gens, pour les personnes malentendantes, je pense que ça peut être une aide. Mais la traduction en néerlandais n'est pas du tout parfaite. Donc si vous avez des questions de clarification en néerlandais, n'hésite pas à revenir vers nous et on va essayer de vous aider le mieux que possible. Voilà. Je passe la parole à Monsieur Alain Solfa, le responsable de service voirie, pour la présentation. Bonsoir. Voilà, nous allons donc procéder à la présentation de réaménagement des voiries Delta, patinage et avenue des Tropiques. Ces voiries se situent entre l'avenue Van Volksem à droite et le boulevard de la 2e armée britannique à gauche. Ces voiries sont en sens unique pour la rue du Delta et l'avenue des Tropiques et en double sens pour la rue du Patinage. Les sens de circulation ne seront pas modifiés. Il n'y a pas de transport en commun dans ces artères, mais elles sont importantes au niveau de l'accès vers les transports en commun, étant donné qu'il y a de nouveaux habitants qui sont venus rejoindre les nouveaux immeubles qui ont été construits. Et forcément, gérer les transports en commun, tram particulièrement, avenue Van Volksem et bus, boulevard de la Deuxième Britannique, sont fortement utilisé. La voirie et la zone d'affectation au sol, je dirais, durant le PRAS, je dirais pour la rue du Delta et l'avenue des Tropiques, est en zone d'habitation. Pour la rue du Patinage, est en zone de forte mixité. Et si on se réfère au plan Good Move, qui est le plan de déplacement, je dirais, en région bruxelloise, les voiries sont en zone piéton confort et vélo quartier.
C'est pour ça que nous avons tenu compte, notamment dans l'étude d'aménagement, de la modération de la vitesse, de la sécurisation des voiries, et on a requalifié l'espace public, bien entendu, en l'embellissant. Nous avons tenu compte particulièrement des vélos, puisque nous allons établir une piste cyclable séparée, montante dans la rue du Delta et une piste suggérée dans l'avenue des Tropiques. Pourquoi j'irai passer par la rue du Delta? C'est parce que la traversée vers la rue des Châtaignes et vers les parcs est plus aisée, même si elle devra être aménagée par la région. Voilà le plan de situation de Vauvoiry par rapport, je dirais, aux zones de parc et aux zones industrielles du bas de forêt. Voici tout d'abord l'aménagement de la rue du Patinage dans sa globalité. L'avenue du Patinage est actuellement une voirie dont la largeur entre bordures est de plus ou moins 7,25 m. Une voirie de 5,20 m et des trottoirs qui avoisinent 2,50 m entre la rue Marguerite-Berwoods et le pont du chemin de fer, 2,30 m entre Marguerite-Berwoods et le boulevard de la 2e Armée britannique. L'asphalte est fortement dégradé et les trottoirs sont en matériaux hétéroclites, à savoir des dalles 30-30, des pavés de béton, des zones de terre battue. Donc, il était vraiment temps de penser au réaménagement de cette artère. Un seul arbre se trouve, je dirais, dans cette avenue, dans cette rue actuellement. C'est au carrefour de la rue Marguerite-Berwoods et de la rue du Patinage. Il est en bon état sanitaire. Il sera donc conservé dans l'aménagement. Je vais commencer la présentation par le carrefour Marguerite-Berwoods-Patinage et 2e Armée britannique. Là, nous allons établir un plateau en asphalte avec des rayons de courbure qui sont relativement larges parce que nous devons maintenir l'accès aux camions qui se rendent dans les nombreuses entreprises qui se trouvent rue Marguerite-Berwoods. Les plateaux seront accessibles par des rampes de grande longueur pour éviter évidemment les chocs. La voirie d'environ 10,50 m zone de parking y compris, je dirais, on arrive à créer une voirie de circulation de 6,40 m. Avec deux zones de parking de part et d'autre de 2 mètres. Les trottoirs également feront 2 mètres. La voirie sera en asphalte. Les trottoirs seront en pavé de béton 20-20. L'aménagement du carrefour est protégé avec des potelets. Les zones de traversée piétonne sont réduites au maximum de façon à pouvoir sécuriser ces traversées et nous y intégrons également des dispositifs pour les personnes à mobilité réduite de façon à ce qu'ils puissent également se rendre compte des traversées. Un peu plus loin dans la rue, nous allons créer aussi un plateau en face de la rue Toots-Thielemans et du lotissement des Saules, de façon à également réduire la vitesse, mais ici vous aurez des rampes relativement courtes, ce qui force évidemment le ralentissement. La voirie entre la rue Marguerite-Berwoods et le pont du chemin de fer ne faisant que 5,40 m de large, ce qui force, le ralentissement.
Nous allons verduriser systématiquement aux différents carrefours de façon à rendre le quartier un petit peu plus agréable qu'il ne l'est actuellement. Les trottoirs dans la rue du patinage entre Marguerite Bervoux et le pont du chemin de fer auront une largeur de 2,30 m. Seul un stationnement longitudinal sera situé côté droit en direction du boulevard de la 2e armée britannique. Voici donc l'avenue du patinage en sa totalité. Dans ce cadre-ci, je dirais les filets d'eau seront des filets d'eau de 20 cm, des filets d'eau classiques, car dans cette zone, il sera difficile de récupérer les eaux pluviales. Elles devront être envoyées à l'égout, excepté peut-être dans le dernier tronçon où nous pourrons, je dirais, essayer de récupérer les eaux pour les envoyer à travers le lotissement des saules. Et ça permettra d'envoyer les eaux claires, donc les eaux pluviales, à travers un fossé et à travers un nouvel égout qui a été créé à hauteur de la rue du boulevard de la 2e armée britannique et de la rue des anciens étangs pour aller se jeter directement dans la Seine. Comme vous pouvez le constater, le pont du chemin de fer couvre la voirie sur une largeur maximum de 4 mètres. Vu la forme du pont, il n'est pas possible, je dirais, de créer un espace plus large, étant donné que le gabarit des camions est tel que, ou des camionnettes, est tel que, je dirais, il risquerait d'accrocher la partie supérieure du pont du chemin de fer, si bien qu'on est obligé de les laisser en partie centrale. Dès cette zone-là, je dirais, du pont du chemin de fer, on va tenter donc de récupérer les eaux pluviales pour pouvoir les évacuer par ici, donc suivez la flèche, je dirais, pour les amener à travers le lotissement des saules. Petit élément d'information par rapport à ce projet des sceaux. En fait, c'est un travail que le service eau mène depuis de nombreuses années avec quasiment tous les promoteurs du quartier pour organiser la reprise des eaux pluviales de tous ces lotissements qui se construisent et on s'y greffe dans le cadre de l'aménagement des voiries. On est un peu le canalisateur de tous ces éléments afin de ramener ces eaux vers la Seine au travers d'un système gravitaire d'endroits où les eaux seront à ciel ouvert, d'autres où ils seront sous canalisation. Mais donc tout ça a été conçu déjà depuis le début de tous les travaux et donc depuis même le premier bâtiment du fond du logement qui, je pense que vous l'aurez constaté, a un petit endroit, un petit bassin dans un coin, on le voit d'ailleurs ici sur l'image. Et déjà à ce moment-là, tout ça avait été prévu pour un jour ramener toutes ces eaux vers la Seine. Comme vous pouvez le constater, donc sous le pont du chemin de fer, le passage est alternatif. Je vais vous présenter le triangle entre la rue du Delta et l'avenue des Tropiques. Mais d'ores et déjà, sachez que les eaux qui vont arriver dans le petit bassin qui se trouve à l'endroit de la flèche vont être envoyées dans la rue du patinage en aérien autant que possible, réparties de part et d'autre de la voirie et envoyées vers le dispositif qui les emmènera donc à travers le lotissement des saules. Je reviendrai sur ce sujet un petit peu plus tard. Voici la coupe, j'irai, de la rue du patinage. Donc vous avez des trottoirs en 2,30 m avec des pavés de béton gris clair 20-20.
une bordure en béton, un filet d'eau classique 20 cm, de l'asphalte sur une largeur de 5 m40, filet d'eau compris, et une zone de parking de 2 mètres. Voici maintenant, je dirais, la rue du Delta. La rue du Delta, en partie haute, va bénéficier d'un trottoir traversant, c'est-à-dire que, je dirais, les piétons sont prioritaires. Les voitures vont devoir accéder à vitesse limitée pour pouvoir rentrer dans la rue du Delta. L'aménagement prévoit un sens de circulation avec une largeur de 4 mètres, dont 2 fois 50 cm feront le filet d'eau. Donc voici le trottoir traversant. Donc vous avez un accès ici, avenue Van Vauxhem, par Carrefour Châtaigne, une traversée du trottoir et puis vous redescendez dans la voirie. Vous avez sur le côté droit une piste cyclable montante. Des zones de parking est prévue sur le côté droit de l'avenue. Voici les dimensions prévues. Donc nous avons une piste cyclable d'1,50 m, de part et d'autre de la rue des trottoirs de 2 mètres, une zone de stationnement d'1,80 m et une voirie 4 mètres, filet d'eau compris. Nous allons essayer de tenter donc de vous présenter ces filets d'eau sous forme de, je dirais, petite rivière urbaine. Nous allons évidemment tenir compte des flux d'eau qui tomberont, je dirais, de façon à la canaliser, mais également de façon à ce que ça puisse être traversé sans souci. Donc nous allons disposer à différents endroits des avaloirs qui vont récupérer ces eaux et via un réseau séparatif les amener vers le bas de la rue. Voici la coupe de la rue telle qu'elle se présentera. Donc vous aurez sur le côté droit donc les trottoirs, la piste cyclable qui sera surélevée et indépendante, je dirais, de la voirie, et les filets d'eau de part et d'autre de la voirie en asphalte, trottoir étant en pavé. Des dispositifs de ralentisseurs sont également prévus. Ce sont des coussins berlinois. Ils vont être positionnés systématiquement en face, juste avant les entrées principales des deux gros immeubles, je dirais, qui sont dans la rue, à savoir l'immeuble des sources, où vous avez l'accès garage, et l'immeuble de l'autre côté, où vous avez une entrée, une sortie principalement, je dirais, de toutes les zones de parking. Si bien que, je dirais, normalement, malgré la déclivité, les voitures devraient être ralenties avant ces zones où les manœuvres, je dirais, vont être effectuées. Dans le bas de la rue du Delta, donc les filets d'eau vont ramener les eaux d'une part vers le bassin qui se trouve dans le triangle entre la rue du Delta et la rue des Tropiques et d'autre part vers les jardins de pluie qui se trouvent ici le long de la voirie ou également un jardin de pluie ici dans le parterre, je dirais, de l'immeuble Delta. Donc les eaux étant envoyées vers ce petit espace, seront également récoltées les eaux du bâtiment des sources. Donc ces eaux après transiteront, je dirais, dans la voirie, je dirais, en partie centrale pour se répartir
de part et d'autre dans la rue du patinage. Il est clair qu'on va prévoir des dispositifs pour éviter, je dirais, des surcharges, je dirais, en cas de trop forte pluie, une partie des eaux sera redirigée vers un réseau souterrain et, je dirais, des chambres d'accès et de visite permettront également, je dirais, de nettoyer ce réseau en cas de problème. Je vais maintenant parler de la rue, l'avenue des Tropiques et de la partie basse de la rue du Delta. Donc voilà, ici vous avez en coupe ce que ça pourrait donner, je dirais, au niveau de ce bassin, je dirais, où les eaux vont être récoltées. Elles vont ressortir à hauteur de la voirie et descendre sous le pont pour aller se répartir dans la rue du patinage. La coupe ici qui est présentée est une coupe qui se trouve à hauteur de la future voirie qui est créée par la société Bostoun. Notre projet est prévu jusqu'au numéro 22 de la rue du Delta. Au-delà, ça devra être fait par le promoteur, je dirais, qui s'est engagé à établir les voiries, les restituer à la commune. Donc, c'est un format classique de voirie. Nous allons donc arriver dans un parterre ici où vous aurez les eaux du haut de l'avenue des Tropiques qui seront ramenées vers un bassin, un jardin de pluie. Un jardin de pluie dans lequel on y mettra des plantes persistantes, des vivaces, des graminées et également des arbres. Donc plusieurs plantations d'arbres sont également prévues dans cette zone. Il s'agit donc d'un trottoir traversant également. Donc c'est une zone où les piétons sont prioritaires. Seul l'accès vers la voirie sera maintenu ici entre, je dirais, des potelets. L'avenue des Tropiques, qui a une largeur de plus ou moins 12 mètres, sera réaménagée avec des zones de stationnement de part et d'autre d'1,80 m de large. Des filets d'eau de 20 ou 50 cm en fonction de l'endroit et des pentes transversales que nous allons établir de façon à pouvoir récolter un maximum d'eau pour pouvoir les ramener, soit vers le jardin de pluie qui se trouve en partie gauche de l'avenue, soit le plus grand jardin de pluie qui se trouve au carrefour avec la nouvelle voirie. Également, des arbres seront plantés systématiquement à distance régulière entre dans les zones de stationnement et nous allons utiliser des avaloirs, où la capacité de récupération des eaux est très importante. La partie haute donc de l'avenue des Tropiques est traitée de la même façon que la rue du Delta avec un trottoir traversant, donc ce qui permettra également donc de sécuriser les traversées piétonnes. Voici l'ensemble, de l'avenue et du projet tel qu'il sera, réalisé. Donc dans l'avenue des Tropiques et dans la partie basse de la rue des Deltas, nous récupérerons également les eaux
pour les envoyer vers le bassin qui se trouve dans le triangle. Donc, toutes ces récupérations, tant de la rue du Delta que de la rue des Popiques, je dirais, feront que pas mal d'eau pluviale seront redirigées vers les saules. Alors, il est prévu de placer au total une trentaine d'arbres. Ce seront des arbres de deuxième et troisième grandeur, c'est-à-dire que ce seront des arbres qui auront entre 6 et 12 mètres de haut. Ils auront un port colonnaire, c'est-à-dire fastigié, donc c'est-à-dire très peu, enfin relativement étroit, excepté ceux que l'on va placer ici à hauteur du jardin de pluie ou dans la partie, je dirais, trottoir, où là on pourra se permettre d'avoir, je dirais, des couronnes beaucoup plus larges. Telles que mesurées sur terrain, et nous en conservons environ 55. Voilà, je dirais en gros comment je dirais le réaménagement sera présenté. Il s'agit bien entendu de plans provisoires. Des petites adaptations tant au niveau de l'eau que peut-être ponctuelles, je dirais, seront encore apportées. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et nous allons passer aux questions-réponses. Alors, donc, on a déjà pas mal de questions dans le chat. Ben, je vais quand même les poser et Alain ou Arnaud, vous pouvez prendre la parole alternativement pour donner les réponses. Certaines réponses ont déjà été données en cours de séance de manière à pouvoir avancer, mais quand même quelques-unes méritent d'être un peu plus pointues. La première, c'est par rapport au nombre de places de stationnement. Quel est le topo entre c'était avant et après. Mais je viens de signaler, donc il y avait 58 places de stationnement précédemment et il y en aura 55 après réalisation des travaux. Quel délai pour la durée du chantier? Le chantier, donc l'argent est inscrit au budget de Stanissi. Donc nous devons désigner pour pouvoir bénéficier des subsides avant le 31 décembre. Nous devons à ce moment-là, je dirais, établir les procédures bons de commande et autres, attendre l'autorisation du pouvoir subsidiant, ce qui prend en général 3 mois. À partir de là, nous avons 6 mois pour débuter le chantier. Le chantier sera évidemment réalisé par phases. Les premières phases devraient se situer dans la rue du patinage. Ensuite, nous travaillerons vraisemblablement aussi peut-être en fonction de l'une ou l'autre, je dirais, aide que l'on pourrait obtenir, notamment à hauteur des jardins de pluie, etc. Mais sinon, on devrait commencer soit par la rue du Delta, soit par la rue des Tropiques. Ça, c'est à voir avec l'entrepreneur. Autre question qui revient assez fréquemment et qui est un petit peu plus pointue. Devant pas mal d'habitations du côté des 32 à 42 de la rue du Delta. Il y a quelques arbres qui sont prévus et les gens sont inquiets de savoir s'ils arriveront encore dans leur garage. Oui, les arbres ne sont pas plantés directement, je dirais, contre les limites des habitations ou des petits jardinets.
Ils sont déjà plus en retrait et à ces endroits-là, il est clair qu'on mettra des arbres de petit calibre. Tous ces arbres seront évidemment plantés dans des fosses de plantation, des fosses de plantation qui auront toujours minimum 8 mètres cubes, de façon à, j'irais, garantir une bonne reprise des arbres. Mais les plus gros sujets devraient se trouver plutôt à hauteur du mitoyen 32-34, et dans le jardin de pluie entre la rue du Delta et la rue du Tropique, je dirais le plus grand jardin. Autre question qui revient assez souvent, mais j'ai déjà répondu dans le chat, mais je ne pense pas que tout le monde l'a pu le voir, on ne modifie pas les sens de circulation. Non, je l'ai signalé au début, on ne touche pas au sens de signalisation. Et la prolongation de la rue du Delta ? Donc la nouvelle partie, elle sera dans quel sens ? Actuellement, elle est prévue dans les deux sens de circulation, du moins jusqu'à la partie centrale. Maintenant, je dirais la sortie vers l'avenue Van Rossum, je crois que ce n'est pas encore tout à fait déterminé. Et de toute façon, pour le moment, ce n'est pas une voirie qui nous appartient tant que ça n'a pas été repris dans le domaine public. Enfin, une question est également apparue. Yves, pour compléter la réponse, c'est bien double sens et il y a un petit îlot qui permet de faire demi-tour pour les pompiers dans l'angle, je vais dire, de la nouvelle voirie qui est créée. Donc, tout ça, il faut attendre que les travaux se terminent au niveau du lotissement pour qu'on puisse reprendre la voirie. Mais donc, ça sera bien effectivement double sens dans cette partie-là de la chaussée. Par contre, on ne pourra rentrer que depuis Valvoxem pour entrer dans cette voirie en forme de L pour ressortir vers Delta. D'autres questions ? Bon, maintenant, évidemment, ça apparaît au fur et à mesure et donc j'essaye de prendre ça au vol. Une remarque est faite concernant la norme des places de stationnement à 2,30 m au lieu d'1,80 m. Non, la largeur d'une place de stationnement classique est en fait de 2 mètres, 1,80 m de pavage, 20 cm de filet d'eau. C'est la dimension que l'on utilise partout. Les 2,30 m, on les utilise principalement lorsque c'est du parking autobus ou camion spécifique, comme le long du boulevard de la 2e armée britannique, par exemple. On passera sur les questions de participation par la suite. La sécurisation pour les piétons actuelle, est-ce qu'on peut faire quelque chose déjà aujourd'hui ou pas? Ça, on va examiner la chose avec les services pour voir ce qu'il est possible de faire en fonction évidemment de l'évolution des différents chantiers. Le stationnement des deux côtés de la rue du Delta. Non, du côté de la rue du Delta, il y a partie montante, juste du stationnement d'un côté, c'est bien cela? Oui, un seul côté. Un seul côté, c'est dans l'avenue des Tropiques qui est prévu des deux côtés. Après la traversée de la nouvelle voirie. Alors, une question que je partage qui vient plutôt sur les revêtements, sur les matériaux prévus pour la partie des zones de stationnement où on nous demande si on peut en faire des revêtements poreux plutôt que de l'asphalte qui est imperméable. Ça n'a pas d'intérêt puisque justement le but est de récupérer les eaux et de les envoyer via tout le réseau qu'on va construire directement vers la Seine. Et techniquement, les voiries sont quand même avec des pentes assez importantes et donc c'est compliqué de mettre des dispositifs infiltrants avec des pentes si importantes. Une réflexion vient sur le passage du pont avec la question de savoir si on n'en ferait pas qu'un sens unique et non pas un double sens. Cette question a été étudiée. On a regardé ça et on a regardé ça également avec les services de police parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quand même un commissariat au niveau du 44.
Et donc, eux nous ont spécifiquement demandé d'avoir la possibilité d'accéder, de pouvoir partir de chez eux vers le centre, à partir du centre de, enfin, à partir de la partie supérieure de forêt. Et donc, c'était un des éléments qu'on avait envisagé, mais qu'on n'a pas pu mettre en œuvre pour des raisons plus sécuritaires que fonctionnelles. Il n'y a pas de passage piéton quand on veut traverser la rue du Delta. Ça, c'est plus un fonctionnement actuel. On nous demande est-ce qu'il est possible d'avoir un vrai comptage des places. Il semble que le comptage qu'on a fait est vrai. Oui, il a été mesuré sur base du plan tel que... tel que nous on le fait tant pour les places légales actuelles que pour les places futures. On peut peut-être réinsister un petit peu sur le mode de fonctionnement voiture-cycliste dans la rue des Tropiques. On est bien sur un mode de fonctionnement où les deux se côtoient. On n'est effectivement, pas... dans l'avenue des Tropiques, donc les voitures montent vers l'avenue Vincennes, tandis que les vélos ont une piste cyclable suggérée en sens inverse. C'est ça. Donc, dans la rue des Tropiques, on est bien, on n'est pas sur une piste cyclable indépendante, alors que du côté de la rue des Deltas, vu qu'on est face à une situation où les vélos montent la rue, on a mis une piste cyclable indépendante de manière à sécuriser et à favoriser, bien évidemment, l'usage des doux plutôt que un usage plus... on préconise évidemment de sécuriser au maximum la mobilité douce dans la ville, que ce soit piétonne ou cycliste. Qu'est-ce qu'il y a dans... Il y avait aussi une question, je rebondis sur la piste cyclable par rapport à justement la piste cyclable montante dans Delta, comment est-ce qu'on va faire pour qu'elle soit respectée et que les voitures ne se garent pas dessus? En fait, elle est surélevée, hein, elle n'est pas hauteur de la chaussée, ce qui fait que les voitures qui veulent se garer dessus, c'est comme s'ils devaient se garer, monter sur un trottoir et se garer dessus. Après, bon, si ça ne fonctionne pas, ben, on rajoutera des dispositifs anti-stationnement, mais on essaye d'abord comme ça, on espère que la piste sera respectée par les automobilistes. Alors, deux nouvelles questions. La première porte sur la largeur de la voirie de 4 mètres, indispensable ou pas? Oui, indispensable pour les services de sécurité. C'est une largeur qui nous a demandé d'essayer de maintenir le plus souvent possible et certainement lorsque les voiries sont partagées, afin de permettre aux services incendie de s'arrêter au milieu de la voirie, de sortir leur système de stabilisation sans se retrouver bloqué par des véhicules et de pouvoir intervenir le plus simplement possible en toute sécurité. Donc là, c'est une largeur qu'on essaye de maintenir le plus souvent possible, mais en contrepartie, pour limiter effectivement ces effets éventuels de vitesse, on prévoit les plateaux traversants, on prévoit les coussins berlinois qui viennent séquencer et forcer les véhicules à ralentir. Et à l'exception donc du plateau qui se trouve au carrefour Marguerite Bervoud, c'est rue du patinage, où là ce sont des rampes de grande longueur, toutes les autres rampes sont courtes, donc ce qui oblige vraiment les automobilistes à ralentir, et les rampes à hauteur des trottoirs traversants forcent de passer au pas. Alors, une question que j'ai publiée, quel est le type de frontière en avenue des Tropiques entre la zone de voirie et la zone jaune piétonne? En fait, ce sont chaque fois des trottoirs traversants. Donc, tout ce qui est mentionné en jaune, c'est bien cela. Hein, oui, est face à des trottoirs traversants. Tels qu'on les retrouve à plusieurs endroits, dans la commune. On essaye vraiment de sécuriser et de forcer les voitures à ralentir au maximum. Elles sont évidemment guidées au travers de ces espaces pour qu'elles ne roulent pas n'importe où et ne s'arrêtent pas n'importe où, mais elles sont vraiment ralenties au maximum à ces endroits-là. Question plus générale, et là je me tournerai probablement plutôt vers Madame Lechfine, Madame Bosch. Une demande est faite dans la foulée des travaux. Est-il prévu ou envisagé de faire un plan de circulation
qui limite le trafic de transit qui est actuellement important. Je pense que là, il est important de rappeler un petit peu dans quel cadre beaucoup plus général on s'inscrit. En effet, je pense que c'est difficile de mettre en œuvre un plan de circulation pour trois voiries, mais le quartier se situe dans la maille Nersale, donc dans le plan régional de mobilité Goumouf. Il y a plusieurs mailles sur le niveau duquel la région et les communes souhaitent développer des plans de circulation. Cette maille a été sélectionnée pour mettre en œuvre un plan de circulation et les études pour mettre en œuvre cette maille et donc ce plan de circulation commencera, on espère, normalement c'est comme ça que c'est communiqué par la région, commencera encore cette année. Donc la question sera traitée plus tard, mais je pense que ça n'empêche pas où les deux projets, donc le projet de réaménagement du voirie et l'étude sur comment limiter le trafic de transit ne sont pas contradictoires l'un et l'autre. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'essaie de répondre vraiment à un maximum et de reprendre un maximum d'informations qui nous sont demandées. Les places de vente, parking devant les habitations sont perdues et non reprises dans la comptabilité. Alors, il est clair que pour nous, une place de stationnement est une place légale d'un premier point de vue. Et où tout le monde peut se parquer. Je ne pense pas que dans une comptabilisation, on comptabilise uniquement les places qui finalement sont des places réservées. Il est bien entendu que, par exemple, les habitants du 38-40 pourront toujours accéder à leur garage. Ça, il n'y a aucun problème. Mais pour nous, la comptabilisation des places de stationnement, ce sont les places légales et qui sont là pour tout le monde, bien évidemment. Les places en face des garages ne sont pas comptabilisées. Une grosse demande qui est apparue à plusieurs reprises vise le trafic de transit qui se retrouve dans ces petites rues. On peut peut-être donner un petit peu le principe, j'ai rappelé le principe général du projet, qui est où tout est mis en œuvre justement pour le dissuader dès la rue du patinage et que bien faire comprendre que la rue du patinage, là, on peut encore y accéder. Après coup, on est au cœur du quartier. Alain ? Oui, effectivement. Hein, donc, je dirais, le fait qu'on met des dispositifs ralentisseurs, je dirais, un peu partout, les coussins, les trottoirs traversants, les plateaux, etc., vont dissuader probablement une partie des gens qui prennent ces voiries zone de raccourci. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau comme question? Une question intéressante sur la position du filet d'eau que l'on propose entre notre petit espace de récupération d'eau et la fin du plateau. La question est, le filet d'eau en milieu de voirie, n'est-ce pas un danger? N'allez-vous pas créer une plaque de verglas rue du patinage? Ce dispositif, en fait, va être régulé. On devra certainement pouvoir trouver des solutions si on a des périodes de gel, puisque ce dispositif sera doublé d'un réseau souterrain. Donc, je dirais, nous devrons y réfléchir effectivement pour envisager, je dirais, d'interrompre l'écoulement de l'eau. Et bon, ce ne sera pas une grosse rivière à cet endroit-là. Hein. C'est vraiment, je dirais, relativement symbolique. On devra pouvoir essayer d'interrompre cette évacuation d'eau en surface dans les périodes hivernales, sévères. Une autre question vient par rapport à la possibilité de faire un marquage au sol des places de stationnement, mais je pense que dans ce cas-ci, elles se feront naturellement par le dessin des filets d'eau, n'est-ce pas? Effectivement, les filets d'eau qui sont prévus dans la plupart des rues, donc rues du Delta et avenue Tropique, seront en pavé naturel et donc seront gérés sur une largeur de 50 cm. Donc ces dispositifs vont déjà naturellement séparer la chaussée de la zone de stationnement.
Mais je pense que là, on a déjà répondu quasiment à toutes. Je vois que quelqu'un nous parle d'une plaque de verglas rue du patinage. C'est peut-être très drôle, mais c'est vraiment pas le but de l'aménagement. Et le principe d'organisation des filets d'eau est fait pour que justement ça n'arrive pas, évidemment. Donc on ne va pas faire ça n'importe comment. Ces filets d'eau sont organisés pour que ça n'arrive pas et l'eau n'est pas supposée non plus y rester. En plus, comme je vous ai dit, donc l'étude entre guillemets hydrologique et de récupération est encore en cours. Donc, on n'a pas le détail final, je dirais, du positionnement des avaloirs, du positionnement, je dirais, des chambres et autres, des caniveaux qui vont récupérer les eaux à différents endroits. Il est clair qu'on ne peut pas créer, je dirais, dans le bas de la rue du Delta ou dans le bas de la rue des Tropiques, je dirais, une rivière qui sera infranchissable en cas je dirais, de gros orages ou autres. Donc, on va essayer de réguler cette eau de façon à ce qu'elle soit apparente, mais pas excessive. Et on verra également à ce que, bon, vu les pentes qui sont présentes, je dirais, normalement, l'eau ne stagnera pas en hiver, je dirais, de façon à ce qu'on se retrouve avec des plaques de verglas, je dirais, dans la chaussée. Je vérifie s'il y a des nouvelles questions. Alors, prévoyez-vous des aménagements urbains type banc public dans les grandes nouvelles poches piétonnes? Il est prévu des arceaux vélos, des poubelles, etc. Les bancs, je dirais, on n'y a pas encore réfléchi. On doit l'envisager, éventuellement, s'il devait y avoir une demande. Alors, Monsieur Jungen nous demande si nous avons prévu de raccorder le réseau séparatif pluvial de Berwoods par ce système-ci. De mémoire, il est prévu que ce système qui a été établi par le promoteur retourne également à l'égout. Mais non pas par cette voie-ci, mais bien par une autre voie qu'on est occupé à mettre en place dans la même partie évidemment de la commune, mais on a deux chemins qui nous mènent vers la Seine, et là on part vers l'autre côté et pas vers celui-ci. Mais effectivement, on n'a pas du tout perdu de vue cette partie-là. Une question était également évoquée par rapport au dispositif ralentisseur éventuellement dans l'avenue des Tropiques. Vu qu'on est dans une voirie qui est montante au niveau voiture, cette problématique est moins. On a moins tendance à le mettre en place, mais si en tant qu'habitant, évidemment, vous ressentez que c'est excessivement nécessaire, ça peut être rajouté sans aucun problème. Là, on vous invite vraiment, lorsque l'on fera l'enquête publique, de nous le rappeler et à ce moment-là, on pourra l'intégrer à la modification. Et j'ai encore une dernière demande d'un habitant concernant le 48 Avenue des Tropiques. Je vais essayer de retrouver la demande qui demandait s'il y avait une place. Avant, il y avait visiblement une place de stationnement situé juste devant, cette place aujourd'hui disparaît. C'est avenue tropique ou avenue du Delta? Donc, avenue tropique. Donc c'est vraiment après le carrefour, la deuxième maison à droite. Il existe aujourd'hui un parking face à la résidence Alida. Ce parking disparaît-il? Il me semble qu'à cet endroit, de ce côté-là de la rue, il n'y a plus de place, mais il reste des places de stationnement, bien évidemment. De l'autre En côté. face, oui. Les places sont situées en face. Et pour le 48, il y a une sortie de garage. Donc, de toute façon, actuellement, il n'y a pas de place de stationnement, en fait. On ne peut pas se garer devant un garage. Oui. Alors, je regarde s'il y a des nouvelles choses comme questions. Papa, papa, papa. Donc, la question des coussins berlinois à venue des Tropiques est
déjà abordé, le marquage des places aussi. Voilà. Tac, tac. Non, ben voilà, je crois qu'on a... Oui, alors il reste une question plus générique sur les mesures de vitesse pour objectiver la chose. Dans ce cadre aussi, dans ces voies ici, on n'a pas fait de comptage de vitesse en tant que tel, mais on connaît relativement bien la situation. Et on sait que dans toutes ces petites voiries, de toute façon, il est nécessaire dans les aménagements d'inciter les automobilistes et de bien leur faire comprendre quand ils sont dans des quartiers d'habitation et que dès lors, c'est naturellement qu'ils doivent ralentir. Comme ce côté naturel n'est pas encore entré dans tous les mœurs, des simples aménagements de type que ceux qu'on propose, un simple marquage au sol et ainsi de suite, donne déjà cette sensation. Une question est posée, mais là c'est plus au niveau urbanistique, sur le fait de prévoir des commerces dans ce quartier. À ce stade-ci, dans les différentes demandes de permis d'urbanisme qui ont été déposées, ce n'est pas prévu. Il y a peut-être un élément qu'on peut peut-être ajouter, mais qui va se mettre en place dans le futur. On n'est pas tellement dans le cadre de ces commerces, mais on est plus dans le cadre d'une possibilité d'avoir un petit espace vert commun à tous les habitants du quartier. Il faut savoir que ben là, vous voyez le jardin qui est situé à l'arrière du nouveau bâtiment et qui est en plein centre de l'îlot entre Van Volksen et Delta Patinage. En fait, nous avons conclu une convention d'utilisation avec le promoteur et cet espace sera accessible aux habitants. Évidemment, ce sera un petit espace relativement calme, mais il sera accessible aux habitants du quartier en journée. Permets juste d'intervenir, Yves, oui. Par rapport à ces questions de urbanistique et de la mixité. Donc, il y a un terrain qui se trouve à l'angle tropique patinage, qui est pour le moment un terrain vague, enfin non construit, une friche. Donc, j'ai eu il y a plusieurs semaines, mois, un contact avec quelqu'un qui était intéressé d'éventuellement développer un projet. Et donc, on lui a répondu qu'en tout cas, en ce qui concerne la commune, si un projet devait s'y développer, ce serait un projet qui met la focale sur la mixité fonctionnelle, donc savoir en effet qu'il y ait des services ou des commerces qui souhaitent développer. Nous n'avons pas eu de retour à ce stade par rapport à cette demande, voilà, par rapport à ce demandeur en tout cas. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire pour le moment. Donc, en tout cas, la commune est plutôt favorable à ce qu'il y ait des commerces puissent se développer dans le quartier, en effet. Je regarde s'il y a des nouvelles demandes. Rappel, pas de nouvelles demandes en tant que telles. Une petite demande sur le plan, vous y avez mis des arbres. Le monsieur qui nous parlait donc du 48 avenue des Tropiques me signale qu'on a mis un arbre, mais on n'a pas mis d'arbre devant le 48. On a mis les arbres plus loin dans la rue ou juste à l'entrée du plateau pour permettre de pouvoir continuer à accéder. Donc là, on devra revoir éventuellement de manière plus détaillée si vous le souhaitez. Beaucoup de monde veut savoir par rapport au projet Bostoun à côté. Il y a eu pas mal de questions, mais je ne les ai pas affichées, qui portaient plus sur le projet Bostoun. Ce projet ne faisant pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui, on va essayer d'éviter de l'aborder vu qu'on est dans un autre cadre. Là, je vous invite plus éventuellement, si vous voulez des informations, à prendre contact avec par mail avec le service de l'urbanisme qui pourra vous donner plus d'informations. Mais ce n'est pas tout à fait le cadre de la demande aujourd'hui. Voilà, et je ne vois plus apparaître de nouvelles questions, donc je pense qu'on a dû aborder à peu près toutes les problématiques. Je rends donc la parole aux échevins pour conclure. À vous de choisir l'ordre, Madame Vandenbosch en premier, puis Monsieur Mugabo et enfin Madame Père. Très bien. À vous. Oui,
Ah oui, voilà, il y était juste le moment entre essayer d'allumer son micro et le fait que le micro est allumé. Donc, merci beaucoup pour toutes les questions. Merci aussi aux services techniques pour les réponses. Comme ça a été dit avant, les plans seront en ligne et on reste à votre disposition s'il y a encore des éventuelles questions à laquelle vous pensez encore après les présentations de ce soir. Merci beaucoup pour être là avec nous et je vous souhaite tous et toutes une belle soirée. Il n'y a plus grand chose à dire après ça, évidemment, mais voilà. Merci beaucoup, en tout cas, tout le monde, pour, en particulier les services qui ont travaillé, organisé la réunion ce soir et ceux qui ont évidemment travaillé sur ce projet dans un contexte compliqué où il a fallu aller vite pour essayer, on doit toujours aller vite pour essayer d'obtenir, de ne pas perdre en tout cas les subsides obtenus. C'est vraiment, merci beaucoup pour ce travail. Et donc, comme le disait Madame Vandenbosch, nous restons évidemment à votre disposition. Les plans seront publiés sur le site de la commune, comme ça les gens pourront prendre connaissance et s'approprier le projet bien avant qu'il y ait l'organisation d'une enquête publique. Et par ailleurs, nous restons en effet à votre disposition pour répondre à toutes les questions qui pourraient se poser par après. Voilà. Voilà, que dire de plus? Je m'associe bien entendu à tous les propos qui ont été exprimés par mes deux collègues. En tout cas, je tenais à vous remercier, vous riverains, d'avoir participé à la réunion, à cette expérience un peu particulière en virtuel. Je vous remercie en tout cas pour la richesse de vos questions, car elles sont pertinentes et intéressantes et je pense que les services techniques vont en tenir compte et clarifier en tout cas les points d'attention qui vous interpellaient. Je tiens à remercier en tout cas en tant qu'échevine des travaux publics, tout particulièrement le service voirie qui nous a fait là, je trouve, un super travail qui essaye de rencontrer toutes les attentes à la fois des riverains, des législations en cours et des politiques qu'on a envie de développer tant au niveau local qu'au niveau régional. Je vous souhaite une excellente soirée et bien entendu, on reste à votre disposition. N'hésitez pas à consulter les plans et si vous avez d'autres questions, d'autres remarques, de nous les transmettre. Et donc, d'ici quelques jours, les plans seront signés et déposés à la région en vue de l'obtention du permis d'urbanisme. On tiendra une information sur le site pour que vous puissiez être au courant de différentes étapes prochaines et à quel moment l'enquête publique sera mise en route et, entre autres, aussi quand sera planifiée la commission de concertation. J'espère qu'on a pu répondre à l'ensemble de vos questions et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et prenez bien soin de vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.